Bienvenue dans le cours en live de ce mercredi soir. Peut-être que vous le faites en direct avec moi ou alors en différé. Je regarde souvent là-bas. On commence dans 5 minutes. Objectif, brûler. Vraiment, faire battre le cœur pour éliminer, se défouler un maximum et fondre un maximum aussi. Alors, rentrons-nous. J'espère que vous êtes chaud. On va faire battre le cœur aujourd'hui en HIIT. Ça va être une séance de 25-30 minutes, d'accord? Donc si vous pratiquez de chez vous, c'est l'idéal. Un minimum de temps pour un maximum de résultats. C'est le but du HIIT. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une serviette, d'un tapis ou tout simplement à même le sol. Prenez quelque chose pour étaler sur votre sol, ce sera plus confortable. Mais pas besoin de matériel particulier, ok? Avant de commencer, vous êtes bien sur le HIIT cardio mercredi soir en live direct. J'ai pas forcément les retours. Si je vais essayer de mettre les retours, hop, j'ai les retours. C'est nickel. Bienvenue. Installez-vous. Prenez-vous une petite zone. Voilà, pas très grand, un simple carré pour pouvoir faire des mouvements. On va pas se balader partout, vous inquiétez pas. Objectif, comme d'habitude, cardio HIIT, 5 exercices. Un temps de travail, un temps de repos, un petit challenge à la fin. Et on a un minimum de temps, on a un maximum de résultats. 3 minutes. 3 minutes. Installez-vous. On va attendre l'heure. Laissez le temps aux gens d'arriver. S'il y en a encore qui veulent suivre ce rendez-vous. Le cardio. À bouger un peu les bras, tranquille, on va faire un échauffement ensemble, hein, vous inquiétez pas. Comme d'habitude, ça va être la même structure. Tous ces mercredis soirs, vous allez avoir un des meilleurs cours de cardio, de HIIT, qui est aussi très bien, comme le cardio training, pour brûler, éliminer. En ce moment, en plus, les excès, ça y va, on est en période d'hiver, donc il doit y avoir du petit fromage ou du petit vin par-ci par-là, quoi. On arrive dans les périodes où on va stocker un maximum, donc voilà, ce soir, on déstocke. On élimine tout. Bon, en tout cas, il est parti. Allez, dans 2 minutes, on est parti, on va commencer à s'échauffer tout doucement. Bienvenue à ceux qui arrivent, bienvenue à ceux qui regardent en différé. Je sais qu'il y en a énormément qui regardent en différé. Bravo à ceux qui sont là, hein, à leur pile, en direct avec moi. On est ensemble. Dans l'effort, et ceux qui sont indifférés, pareil. On est ensemble dans l'effort, mais indifférés. Allez, ça arrive, installez-vous. Petite gorgée d'eau, prévoyez bien, hein. Vous avez votre bouteille, prenez ce qu'il vous faut. Tout ce qui est alcoolisé, ça compte pas. Avec des options basses pour ceux qui ne pourront pas sauter, d'accord? Regardez bien où il est votre plafond. Vous n'êtes pas obligé de sauter si vous voulez pas d'impact. C'est aussi très bien de pratiquer en étant à même le sol, toujours pour pouvoir faire du cardio, d'accord? Le cardio, c'est pas forcément toujours des impacts. On peut très bien faire battre son cœur, être hyper actif et brûler un maximum de calories tout en restant à même le sol, ok? Allez, on va pouvoir commencer. Mettez votre serviette un petit peu de côté. Voilà, laissez-vous un peu de place pour faire un petit réveil musculaire et en tout cas préparer le corps à l'effort. Vous êtes bien en direct sur La Ressourcerie Fitness Club, la chaîne YouTube, ou en différé si vous me regardez en différé. On va se réveiller ensemble. Vous êtes avec moi, Loïc, coach
C'est parti. Écartez les jambes juste à peu près au niveau largeur des épaules. On est bien. Serrez les omoplates. Allez. On se grandit, on libère un petit peu. On étire la cage thoracique, les insertions pectorales. Grandis-toi. Ouah, ça craque. Ça veut dire quoi, même? Ok, très bien. Maintenant, active step touch. Ici, tranquille, juste pour commencer à réveiller le corps, tout doucement. Voilà. Bras le long du corps, je reste droit, amorti avec le talon. Pas besoin d'avoir un rythme particulier. La musique, c'est du fond, ok? Avec moi, fléchis un peu plus et tape ici, talon derrière. Je fléchis au milieu. Un petit rebond, d'accord? Ouais. Nickel, nickel. Là, vous voyez, on est en train de chauffer les jambes, quadriceps doucement, faire battre le cœur. Ça va être l'objectif. Un petit réveil. Enfin, l'après-midi. Pour ceux qui ont les coups de barre, là, c'est parfait. Ok, stop. Rentre une jambe dans le sol, légèrement fléchi, toujours, bien pour avoir un bon appui. Et lève le genou ici. Avec les bras en mode runner, comme si tu courais, et tu donnes un coup de genou. D'accord? Un bon coup de genou. Voilà. Tu viens chercher loin derrière, lève devant. Ce qui travaille, c'est ta jambe qui est dans le sol, légèrement fléchie. Tu vas sentir les ischios et les fessiers chauffer un petit peu. C'est l'objectif, ok? Ok, change de côté avec moi. Hop! Allez. Un bon genou devant. On active. On s'échauffe ensemble. Ça, c'est la première partie de l'échauffement. Dans la deuxième partie de l'échauffement, on va voir les 5 exercices qu'on va avoir dans ce hit. D'accord? On va s'échauffer ensemble dessus. Ok, stop! Secoue un peu les bras, secoue un peu les jambes. On va voir les 5 exos. On va les faire ensemble. On va choisir nos options ensemble et ensuite on démarre notre temps de travail, temps de repos et le contenu. Squat, on touche genoux et coude opposé, écarte les jambes, plus large que les hanches, orteils vers l'extérieur, talons bien ancrés, engage les abdominaux, je descends en position squat, je repousse, je touche coude et genoux opposés, d'accord? Down, touch, toujours bien droit, toujours poitrine haute, c'est l'objectif, et le fait de lever le genou ici pour essayer d'aller chercher mon coude, ça va engager un maximum mes ischios et mon appui de la jambe qui reste dans le sol. Et ça, c'est hyper efficace. D'accord? Si jamais ça reste un petit peu difficile, fais des squats simples. D'accord? Si c'est trop facile, plus tard dans le hit, on va pouvoir le jump, le squat. Ok? Relâche, tranquille. C'est que l'échauffement. Deuxième exercice. Position, jambes juste en dessous des hanches. Jumping jack. Je vais venir écarter les jambes, bien ancrées, les genoux vers l'extérieur et revenir avec les bras en haut. Reviens, d'accord? On essaie d'être dynamique à ton rythme. Et si tu peux pas les impacts, regarde, ici, touch, touch. Je fléchis la jambe qui est au milieu pour qu'elle travaille. Et je reste actif parce que je peux très bien, t'as vu, augmenter mon intensité. Donc tu choisis option basse ou option haute. Stop. On est bon. On va pas non plus trop rentrer, on va y aller juste après. Regarde ici notre troisième exercice, il est génial. Ici, en position, jambes montées dans le sol, comme à l'échauffement, je vais venir rapprocher le genou, sauf que je veux qu'on fasse du combat. Un coup de genou, main ici en haut, liée, je ramène à la hanche, descends, ramène, d'accord? Et si tu es à l'aise, tu sautes, d'accord? L'important, c'est aussi le haut du corps. On ramène les mains et mi-chemin avec le genou pour ramener à la hanche. Change de jambe pour chauffer l'autre côté. D'accord? Comme si tu prenais la nuque de la personne devant toi. Ok? C'est le moment de te défouler, hein, je te l'ai dit. T'es sur un hit cardio et on va faire battre le cœur. Ok, stop. Gérer un petit peu, l'objectif c'est de faire à chaque fois la même jambe et de switcher toujours avec le même nombre de répétitions. Donc on peut faire 4 d'un côté et 4 de l'autre, d'accord? Et à chaque fois on change. Ça va? L'échauffement il commence à monter.
On va arriver sur nos deux derniers exercices parce qu'on a que 5 au total. Mountain Climbers. C'est l'heure de pouvoir prendre un petit revêtement de sol si vous voulez. Serviette, tapis ou à même le sol. Je place mes mains juste en dessous de mes épaules. Je me mets en position gainage ici, regarde. Bien gainé. Mountain Climbers, niveau 1. Je touche le pied devant en ramenant le genou et je reviens. Je fais un pas et je reviens. Je fais un pas et je reviens. Option un peu plus intense. Je fais des petits jumps. D'accord ? Je peux très bien passer de l'un à l'autre. Ok, stop. Dernier exercice pour clôturer notre échauffement. Toujours, hein, fais-le avec moi. On va avoir le twist pour les obliques, la taille. Je me positionne ici. Les mains au niveau des tempes. Niveau 1, je lève le genou et je vais le chercher avec le coude opposé. Et je repose. Lève, touche, reviens. Lève, touche, reviens. Niveau max, je le fais en gainage sans jamais reposer les pieds. Et je retwiste de l'autre côté. Après avoir atteint mon seuil d'un côté. Ok, stop. On est bon. Là, on a nos 5 exercices. On a pu les tester, les essayer. On va pouvoir pratiquer maintenant avec un niveau d'intensité un peu plus haut pour pouvoir choisir quelle option on va prendre pour ce cours. En position, hydrate-toi un coup et on est parti pour nos 2 tours de travail et un challenge à la fin. 2 tours de travail sur ces 5 exercices, on va faire une pause entre les 2 tours. Ok. En position. N'oublie pas. Là, je décale mon tapis, ma serviette. Pas besoin pour les 3 premiers exercices. On commence avec les squats, toucher le genou ou squat jump ou alors squat simple, mais on travaille sur le bas du corps. Jumping jack, genou. Ready? Allez avec moi, je lance mon timer. Attention, 3, 2, ah, je ne vous ai pas dit un truc important. 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération pour le premier tour. Le deuxième tour, on va augmenter un petit peu, d'accord? Je vous le dirai ensuite. 40, 20, 40 secondes de travail. Allez, on active. L'objectif ici dans ce hit, c'est d'activer le cardio, d'accord? Donc on n'est pas forcément dans la lenteur, on est dans le dynamisme. Si t'es à l'aise, squat, jump, squat, jump. À toi de choisir. Je peux très bien changer mes options en cours de route. Je fais un peu de touche genou, je fais un peu de squat basique, je fais un peu de squat jump, d'accord? À toi de choisir. Et l'objectif, c'est de tenir. T'as vu, je parle beaucoup. Mais là, il nous reste 5 secondes. Allez. 2, 1, top. Là, t'as 20 secondes. C'est ça un hit. Les 20 secondes, elles sont très importantes. Respire. Marche un petit peu. Prochain exercice. Jumping jack. Fléchis bien les jambes dans le sol. Option haute ou option basse. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Dynamique, rapide ou à ton rythme, d'accord? T'as vu? Niveau plus lent, niveau plus rapide, intensité, à fond si tu le souhaites. Ou alors, option basse. Pareil, en option basse, j'ajuste mon rythme. Je peux le faire lent, je peux le faire rapide, d'accord? Allez, 10 secondes, maintiens avec moi, fléchis le sol, d'accord? Écrase le sol. Que tes muscles travaillent. Amorti avec le talon. 3, 2, 1. Relâche. Ouais, on est bien. Ça commence à battre. Respire, pareil. Marche un peu. Marche un peu. Prochain exercice. En haut, coup de genou. Ou alors la jambe toujours dans le sol. Ou alors avec un léger saut. Ok? 3, 2, 1. Top, c'est parti. Je change de jambe à 4 personnellement. À vous de choisir. Faites pareil si vous voulez. Si j'en fais un de plus, un de moins, c'est pas très grave. J'active mon cardio. Je donne de l'intensité dans mon coup de genou. Allez, n'oublie pas. Hein. Les bras partent de bien haut. Là, tes épaules vont travailler. Et tu ramènes très vite ici, au niveau des hanches. Encore 7 secondes. 2,
exercice. Deux exercices au sol. Mountain climbers. Tapis, serviette. Trois secondes. Deux. Un. Top, c'est parti. Option basse ici, je pose un pied devant, je marque une légère pause et je reviens derrière. Option un peu plus intense, je pose pas le pied. Option max, des jumps à fond, d'accord? Là je travaille quoi? Cardio à fond, sangle abdominale à fond, d'accord? Cardio et abdos, c'est possible et ça se passe sur cet exercice. Allez, 15 secondes. Active, si jamais c'est trop dur. Essaye de rester en gainage. Si tu as besoin de faire une pause, pose les genoux. 4 secondes. 3, 2, 1. Sur la musique. C'est parfait. Assieds-toi. Dernier exercice. Twist, coude, genou opposé. Respire. On aura une pause après cet exercice. Après, on se refait un tour et un challenge. Allez, en position. Main au niveau des tempes. 3, 2, 1. Twist, ou alors en reposant le pied à chaque fois, ou alors en twistant ici en mode gainage, d'accord? C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Il faut que ton option, ce soit la meilleure et la plus performante. Parfait, ma musique est là. Hop, 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 20 secondes encore. Tu peux changer d'une option à l'autre si jamais tu sens que ça devient impossible. Si t'as mal dans les cervicales, pose un petit peu, quelques secondes, tu verras, ça part très vite. Ensuite, reprends. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Relâche. Oh. Respire. Tu as du temps. On se prend une minute, 1 minute 30. Hydrate-toi. Piétine un peu. Secoue un peu les muscles qui ont beaucoup chauffé chez toi. On évite d'avoir trop de récupération dans le HIIT. Parce que là, on est en train de faire une séance vraiment très courte. Pour qu'elle soit efficace, on enchaîne. D'accord? C'est pour ça que les options sont là. Prends des options plutôt que de t'arrêter. Diminue l'intensité, diminue la vitesse plutôt que de t'arrêter. Ok? Ouais. Je sais pas vous, mais ça chauffe. Je commence déjà à récupérer un petit peu. Je vais reset mon timer. Prenez encore 20 secondes. Ça va vite, hein. Rassurez-vous. Plus on enchaîne, plus le cours se termine tôt. Et en plus, pour les mêmes résultats. Ok? Si ce n'est de meilleurs résultats. Reset. Mesdames et messieurs, en position. Deuxième tour. 45 secondes de travail. 15 secondes de récupération. On augmente de 5 le travail, on diminue de 5 la récup. Vous allez voir, c'est important comme timing, ok? Alors, en position, on va démarrer. 3, 2, 1, top! Squat genou ou squat jump. Allez, ou squat simplement en bas. On est sur le deuxième tour. Deuxième et dernier tour, avant le challenge. On essaye de maximiser son effort et ses résultats. Hop! Come on. Je twiste un peu ma taille, ça travaille un peu mes obliques et mon bas du corps. 20 secondes, 20. Chut. Squat jump pour ceux qui le souhaitent. Allez, on active. Travail de pliométrie, travail hyper efficace pour renforcer mon bas du corps. En même temps, mon cœur, il est bon. Chut. 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 4, 3, 2, 1. Récup. 15 secondes, c'est très court. 10. Jumping jack. 5. 4. Avec moi. 3. 2. 1. Top, c'est parti. Allez. Fléchis bien dans le sol. Entre-toi dans le sol. À fond. D'accord? Je veux pas que ce soit tes pointes de pied ici et que tu sois tout mou. D'accord? Entre-toi. Souris. Respire. J'ai besoin de récupérer, je passe sur une option en dessous. J'essaye de ne pas m'arrêter.
Je reprends. Allez, on maximise. On brûle. Comme ça, on se fait plaisir. 8 secondes. Allez, dans le sol, ancre. 4, 3, 2, 1. Prêt ? Genoux. 7 secondes. Comme d'hab, comme le premier. Je vais changer toutes les 4. Tous les 4 coups de genoux. 3, 2, 1, top. Change. À toi de voir. Hein. T'es pas obligé de suivre mon rythme. Je te dis change, mais reste à ton rythme. Option, plus basse et moins d'intensité si t'as besoin de récup. Là, sans sauter. Là, sans sauter. Là, d'accord? Choisis. Allez, on est déjà au milieu, hein, ce deuxième tour. Allez, come on, come on. 4, 3, 2, 1. Respire. Et là, on est dans le vif du sujet. Hein. 7 secondes. Ça va? Mountain Climbers, 3. 2, 1, top, c'est parti. Allez, à ton rythme, faut que tu essayes d'allier un bon travail corporel pour tenir ces 45 secondes. Si tu fais 10 secondes à fond et que t'en peux plus, c'est pas efficient. Fais mieux. 10 minutes en option et tiens le coup. D'accord? 25 secondes. Chut. Allez, respire. Ça pique, ça tremble. Le cœur bat, on a envie de s'arrêter. Mais on reste, c'est qu'une question de secondes. C'est rien du tout dans ta journée. Alors reste avec moi. 4, 3, 2, 1. Lâche. Assieds-toi. The last one. Dernier iso. Twist. Pour les obliques. Après, on a un challenge, mais en attendant, après celui-là, on récupère. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Twist. Reviens. Twist. Reviens. Chut. Ou option max. J'alterne les deux. J'essaye de tenir un maximum. De brûler mes obliques et mes abdominaux. Je repose. Je m'arrête pas. Je change juste option. Come on. Respire. Contrôle. Plus ça brûle, plus ça travaille, plus ça s'améliore. Alors lâche pas. Ça fait mal. Là, je te rassure, moi c'est très douloureux. Mais je veux que ça bosse. Alors j'y vais. Ah. Come on. 3, 2, 1. Ouh. Ok. Respire. Hydrate-toi. Essaie de te relever tranquillement et de piétiner un peu pour récupérer. On va passer sur notre challenge, je vais te l'expliquer. Pendant ce temps-là, récupère un peu. Reset. Oh. Je sais pas vous, mais moi je suis en sueur, hein, déjà. À peine 20 minutes. À peine 2 tours de 5 exos. Ça va vite, hein. Dernière ligne droite. Là, l'objectif, c'est d'y aller à fond et d'être tranquille. T'as déjà fait 2 tours, t'as déjà fait plus de 90% du travail. Alors, on s'arrête pas et on libère toute l'énergie qu'on a encore sur ce challenge. 3 minutes, non-stop. Premier exercice, jumping jack. Deuxième exercice, mountain climbers. Troisième exercice, gainage simple sur les coudes. Premier exercice, jumping jack. Deuxième, mountain climbers. Ok? Et dernier gainage. On termine là-dessus, ok? On passe du très cardio au plus renfo. C'est l'objectif de ce hit, de terminer en couleur. On est prêt? On y va? 1 minute de jumping jack à fond, mountain climbers et gainage. 3,
2, 1, top, c'est parti. Allez, allez, Manu, 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 Manu. Une minute, une minute. Sur cette minute, c'est un travail dans la tête. J'essaie de tenir un maximum avec l'option où je vais travailler un maximum. Celle que je maîtrise le mieux et celle que je vais tenir le mieux dans l'effort maximal. 40 secondes encore de jumping jack. Allez, allume, allume, allume. Tu peux très bien le faire en option basse si tu veux. Hein. Allez. Secondes. Avec moi, ancre-toi dans le sol, fléchis bien. Ça ralentit, j'essaye de ne pas ralentir. 10 secondes. On se prend 5 secondes pour se mettre au sol. Top, t'appuies, montez climbers. Top, c'est parti. Allez. Voilà, c'est dur. Là, le cœur il a du mal. Essaye de tenir. Option, tu peux rester si tu le souhaites. Tu peux poser les genoux si tu le souhaites. Tu peux attaquer un max si t'es chaud. Allez, tu peux poser le pied aussi. Tiens le coup. Dernière ligne droite. Plus ça crame, plus tu progresses. C'est maintenant que tu dois allumer. Allez, 25 secondes. Come on, come on, come on. Ralenti, ça devient difficile. Les épaules. Tiens avec moi. Résiste. 3, 2, 1. Pose les genoux, regarde. Pose les coudes. Tout de suite, gainage. Option basse. Je pose les genoux derrière, d'accord? Si c'est encore trop difficile, ramène les genoux pour te mettre plus à quatre pattes. Autrement, reste là. Le gainage, c'est un travail dans la tête. Faut que ton corps il ressemble à un léger pont, d'accord? Sois pas trop droit. Sinon, c'est tes lombaires qui prennent tout le poids du corps et la douleur. Résiste avec moi. Il te reste 30 secondes. Allez. Un corps fort, solide, tonique. Et je brûle et j'élimine. Respire. Concentre-toi. Ressens ce qui se passe dans ton corps. C'est pas agréable. Mais avec ça, il va changer. Et c'est toi qui décides. 3, 2, 1. Relâche. Avec moi. Mets les mains devant. Les fessiers vers l'arrière. Libère-toi des tensions tout de suite. Libère-toi des tensions, ça va te faire du bien. Ok. Les mains ici, juste en dessous des épaules, je décale les genoux vers l'arrière, je vais chercher les hanches dans le sol. Bras tendus, je regarde le plafond, j'étire mes abdominaux. Ok. Relâche. Redresse-toi. Marche un petit peu sur place. Et en même temps, prends un bras, tire-le ici contre ta poitrine, biceps contre poitrine pour étirer les épaules. Piétine toujours. Ça va? On l'a fait? Super séance HIIT. Un bon 25 minutes riche en résultats. Plutôt que de faire des séances d'une heure et demie, deux heures, inutiles. Là, vous avez une super séance en un minimum de temps. Relâche. Attrape pied et tire ici. Talons-fesses. Reste droit, redresse le buste, engage les fessiers. J'étire ici. Change de jambe. Ok, relâche. Bravo tout le monde pour votre HIIT cardio de ce mercredi soir. Félicitations. N'oubliez pas, vous avez des rendez-vous quotidiens ici sur la chaîne de la ressourcerie en live ou même en différé. Vous avez accès à énormément de vidéos et de cours pour continuer à garder la forme. Vous allez pouvoir retrouver toute l'équipe avec moi-même, Loïc,
de la ressourcerie. Donc abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt, en forme, dès demain matin, prochain cours. Salut tout le monde.